Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un formulaire, ou plutôt un sondage pour notre exemple, dans Google. Donc, je suis connectée à mon Chromebook. Je peux maintenant ouvrir Chrome, aller sur les petites gaufres en haut à droite, et je vais aller choisir « Forme » pour mon formulaire. Je vais créer un formulaire vide. J'appuie dessus. Et je vais pouvoir commencer mon formulaire. Donc, j'entre le titre de mon formulaire. Lorsque mon titre est inscrit, je vais écrire ma première question, qui est dans mon cas ma seule question. Ma question sera un choix multiple, c'était le choix par défaut, et je vais pouvoir aller choisir mes options. En fait, je vais aller écrire mes options et je vais pouvoir les ajouter. Donc, pour ajouter des options, j'appuie simplement sur « Ajouter une option » et je poursuis jusqu'à temps que j'ai écrit toutes mes options. Lorsque c'est complété, je peux rendre la question obligatoire en cliquant ici sur le petit onglet. Je suis maintenant rendue à envoyer le lien à mon enseignante. Donc, je peux cliquer sur le bouton « Envoyer ». Je vais aller sélectionner l'option du lien et j'ai mon lien qui est ici. Je peux également le raccourcir en cliquant sur le bouton « Raccourcir l'URL ». J'ai mon lien que je peux copier et transmettre à mon enseignante. Si je le désire, je peux également créer un code QR. Pour faire ça, j'ai copié mon lien, je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais coller mon lien en utilisant CTRL-V. Maintenant, je vais cliquer en haut dans ma barre d'outils pour sélectionner mon adresse et je vais voir apparaître l'icône pour créer un code QR. J'appuie sur cette icône et j'ai le code QR que je peux également télécharger et envoyer à mon enseignante. On remarque en haut dans mon questionnaire que j'ai plusieurs réponses. Donc, je clique sur l'onglet « Des réponses » et je peux maintenant consulter les réponses et voir qu'ils sont placés dans un diagramme circulaire. Donc, je peux voir le nombre de personnes qui ont répondu ainsi que le pourcentage de réponses pour chacun des choix.